Eh bien, bonsoir à tous, Madame le Professeur, Madame la Directrice, Monsieur l'Avocat Général, Mesdames et Messieurs. Je vous remercie de votre participation à la deuxième conférence du cycle Droit et bioéthique de 2019, qui, je vous le rappelle, comme toutes les conférences de ce cycle, est diffusée en direct ce soir sur le site internet de la Cour de cassation et est filmée pour être diffusée en différé. Alors, le 25 avril 1953 était annoncée la découverte de la structure de l'ADN. Ainsi naissait la génomique, science fondée sur l'étude des gènes, support de la révolution génétique qui allait marquer le XXe siècle. Comme l'écrivait François Jacob, ce qui donne à un individu sa valeur génétique, ce n'est pas la qualité propre de ses gènes, c'est qu'il n'a pas la même collection de gènes que les autres. L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne permet en effet de comprendre, de diagnostiquer et de prendre en charge les maladies d'origine génétique, voire de les prédire. Cet examen doit être distingué des empreintes génétiques qui, par un codage du séquençage de l'ADN, permettent d'identifier un individu et de le rattacher à ses parents biologiques. Le droit français a appréhendé la génétique dès les premières lois de bioéthique de 1994, en intégrant dans le Code civil un chapitre aujourd'hui intitulé « De l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne et de l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques, dont le non-respect des dispositions est pénalement sanctionné ». En ce qui concerne tout d'abord l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne, la loi détermine principalement ses finalités médicales ou de recherche scientifique, les conditions de sa réalisation, ainsi que l'exploitation non discriminante des informations requises. Quant au second point, l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques, l'article 16.11 du Code civil précise que leur recherche doit répondre à des fins médicales ou de recherche scientifique ou s'inscrire dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire, civile ou pénale. La génétique interroge ainsi le droit de la santé, le droit civil et le droit pénal. Elle exige également une appréhension de la dimension internationale des progrès technologiques qui rendent, via Internet, les tests génétiques aujourd'hui facilement accessibles au grand public en dehors des structures institutionnelles. Pour aborder ces différents points, nous avons l'honneur de bénéficier de l'expertise de spécialistes, Madame Florence Bélivier et Madame Christine Noiville, qui aborderont les questions posées par la génétique en droit civil et surtout en droit médical, et Monsieur Frédéric Desportes, qui envisagera la dimension pénale de l'identification par empreinte génétique. Madame Florence Bélivier, vous êtes professeure de droit privé à l'Université Paris-Nanterre et co-dirigez l'UFR de droit et sciences politiques. Spécialiste des liens entre le droit et les évolutions scientifiques, vous avez notamment coécrit avec Christine Noiville « Contrat et vivant »,« Nouvelles frontières de la santé, nouveaux rôles et responsabilités du médecin », »,« Les biobanques » et « La bioéquité, bataille autour du partage du vivant ». Madame Christine Noiville, directrice de recherche au CNRS, vous dirigez actuellement l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne, où vous êtes également responsable du Centre de recherche « Normes, sciences et techniques ». Monsieur Frédéric Desportes, avocat général à la Chambre criminelle de la Cour de cassation, votre riche carrière vous a conduit au tribunal de grande instance de Montpellier en qualité de juge des enfants, au ministère de la Justice, à la Cour de cassation une première fois en tant que conseiller référendaire et au Conseil d'État. Madame le professeur, Madame la directrice, je vous cède la parole. Et là, j'imagine. Alors, merci beaucoup aux trois organisatrices de cette série de rencontres de nous donner d'abord l'occasion de nous revoir et puis ensuite d'intervenir donc sur ce thème. Alors, vous l'avez compris, Christine Noiville et moi-même interviendrons à deux voix sur les aspects donc civils un peu et santé beaucoup. Alors, il peut paraître étrange de consacrer une intervention au lien entre le droit et une science, ou plutôt une branche, la génétique, d'une science, la biologie, donc branche qui a pour objet l'étude de l'hérédité. Pourquoi cette science-là plutôt qu'une autre? Pourquoi pas mathématiques et droit, ou physique et droit, ou chimie et droit? C'est qu'au moment même de son plus grand déploiement,
à savoir au XIXe siècle, la biologie, puis sa branche naissante, la génétique, ont provoqué crainte et enthousiasme, les faisant d'entrer d'emblée, de plein pied, dans les questions qu'aujourd'hui on qualifierait de société. Il n'est que de penser au débat suscité par la théorie de l'évolution, par la physiognomonie ou encore l'eugénisme. Alors, on aurait pu imaginer qu'après la Seconde Guerre mondiale, la génétique comme science et comme pratique aurait sombré, mais pas du tout. Dorothée Diby le rappelait tout à l'heure, la découverte au début des années 50 du rôle de l'ADN dans les mécanismes de la transmission héréditaire, puis l'irruption des techniques génétiques dans les années 60-70, puis la découverte des empreintes génétiques et la production de la vie humaine hors corps, hein, in vitro, dans les années 80, et enfin la mise au point des techniques de séquençage des divers génomes, humains, végétal, animal, donc des divers génomes en entier. Toutes ces découvertes fondamentales ou appliquées ont évidemment renouvelé extrêmement profondément la vision que l'homme a de lui-même et de ses semblables, comme l'avaient fait la biologie et la génétique en leur temps, au début, mais ont également eu, et c'est cela qui va nous intéresser aujourd'hui, des répercussions extrêmement profondes sur le droit. Alors, il y a 35 ans, s'est tenu au ministère de la Recherche un colloque à l'intitulé un peu semblable au nôtre, mais un peu différent quand même. C'était « Génétique, procréation et droit ». 8 ans plus tard, André Giudicelli soutenait sa thèse sur « Génétique humaine et droit ». À l'époque, ce qui était en jeu, c'était principalement d'ériger ou d'essayer d'ériger, en tout cas, au nom de la préservation de l'espèce humaine, des remparts juridiques contre les dérives eugénistes et d'interroger la vision de l'humanité que pourrait véhiculer un dépistage systématique des maladies héréditaires. À la fin des années 90, avec, certains s'en souviennent, cet événement que fut la naissance de la brebis Dolly par clonage reproductif, la question se renouvelle et dès l'époque, dès 97, le clonage reproductif fait l'objet appliqué à l'humain d'une réprobation unanime, et avant même qu'il ne soit pratiqué sur l'humain, il fait l'objet de sanctions pénales extrêmement dissuasives, alors même qu'il est pratiqué sur des mammifères animaux non humains. Alors, si d'autres pratiques plus ou moins transgressives sont annoncées ici et là, comme la naissance en Chine cet été de jumelles dont le génome aurait été modifié au stade embryonnaire par la technique dite d'édition du génome et qui a permis ou qui aurait permis en l'espèce de désactiver un gène responsable de l'infection par le VIH. Ce qui nous intéresse, Christine Noiville et moi-même, c'est autre chose. C'est la façon beaucoup moins spectaculaire, beaucoup plus souterraine, mais à notre sens tout aussi fondamentale, la façon dont la génétique irrigue notre société comme outil non pas de modification du génome humain, ou non pas principalement de modification du génome humain, mais de compréhension et d'analyse du génome. Alors, cette évolution ne date pas d'hier, mais des années 90, décennie durant laquelle non seulement on séquence des génomes entiers, alors séquencer des génomes, on le rappelle, c'est analyser la succession de bases qui composent l'ADN, mais c'est aussi la décennie durant laquelle on recourt de façon de plus en plus routinière aux empreintes génétiques, c'est-à-dire au rapprochement à des fins identificatoires de portions de gènes qualifiées de non codantes. Alors, ces empreintes génétiques ont, vous le savez sans doute, deux applications principales, l'une en matière pénale, dont il sera question tout à l'heure,
et un usage en matière civile dans le contentieux de la filiation. Alors, on n'en parlera pas parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais il faut savoir que là aussi, c'est devenu une application routinière hein, d'identifier deux séquences génétiques pour savoir si tel enfant est ou non le fils ou la fille de son père, hein, ou de sa mère, et que cela a été admis au titre de la liberté de la preuve en matière de contentieux de la filiation. Liberté de la preuve énoncée à l'article 310-3 alinéa 2 sous réserve de la recevabilité de l'action. Liberté de la preuve couplée au fameux arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 28 mars 2000 qui énonçait que l'expertise biologique et donc génétique est de droit en matière de filiation sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. Affirmation qui a été reprise plusieurs fois depuis. Alors, durant cette fameuse décennie 90, on a non seulement la floraison des empreintes génétiques à des fins donc identificatoires, mais on a également l'analyse des caractéristiques génétiques, donc qu'il faut bien distinguer des empreintes génétiques. Hein. Analyse des caractéristiques génétiques auxquelles cette intervention sera consacrée, et qui est largement utilisée, Dorothée Dibi le rappelait, à des fins médicales ou de recherche, par exemple pour détecter une maladie à transmission héréditaire, comme la mucoviscidose, chez un nouveau-né, ou même pendant la grossesse, qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire, voire avant l'implantation, couplé à une fécondation in vitro, c'est ce qu'on appelle le diagnostic prénatal, excusez-moi tout à l'heure, et là donc préimplantatoire. En clair, grâce à l'ADN, on peut reconnaître que telle séquence est identique à telle autre et connaître. Reconnaître et connaître, empreinte génétique d'un côté, caractéristique génétique de l'autre. Connaître quoi ? Que la constitution d'un individu le prédispose à telle ou telle pathologie. Or, cette production d'informations génétiques s'est aujourd'hui massifiée et banalisée au point que certains n'hésitent pas à considérer que nous vivrions désormais dans une société génomique. Alors, l'expression est gadget, mais ce que l'adjectif génomique veut souligner par rapport à celui de génétique, excusez-moi, c'est la dimension appliquée, hein, la dimension plus fonctionnelle. La génomique, c'est l'étude exhaustive des génomes, et en particulier de l'ensemble des gènes, de leur disposition sur les chromosomes, de leur séquence, de leur fonction et de leur rôle. Je cite ici une étude du Sénat. Alors, la génomique présente donc une dimension plus appliquée que la génétique, ce qui explique à nos yeux tant l'engouement croissant des individus pour les informations que produisent certains outils de la génétique, et on pense ici à ce qui était évoqué tout à l'heure, à savoir la floraison d'offres de tests génétiques en ligne permettant de connaître ses origines, son ascendance, ses prédispositions, etc. Donc, tant cet engouement des individus que la promotion par les politiques publiques de recherche et de santé de l'outil génétique. Et à cet égard, ce qui nous semble le plus emblématique, c'est le récent plan appelé France Médecine Génomique 2025, qui, dans la veine de ce qui se passe dans d'autres États, notamment aux États-Unis, en Chine ou en Grande-Bretagne, mise sur le développement de la génétique et vise à ce que le séquençage du génome de chacun d'entre nous devienne un élément habituel, routinier, normal du parcours de soins. Donc, si on veut donner un exemple, il s'agira de prélever un patient qui, par exemple, se fait enlever une partie du foie parce qu'il est atteint d'un cancer. On en séquencera le génome entier, on en tirera des données qui permettront au médecin d'affiner son diagnostic et d'adapter le traitement. Et puis, on conservera ces données pour les agréger à d'autres et constituer en aval, donc, le support de nouvelles recherches susceptibles de faire progresser la compréhension des grandes maladies de notre temps. Ce à quoi on assiste là, c'est donc à une systématisation du recours à la génétique comme outil de compréhension et, espère-t-on, de progrès, qui en dit long sur la croyance très forte dans le savoir et dans le pouvoir
explicatif de la génétique. Alors, on a affaire là, nous semble-t-il, à un paradoxe, puisque, par ailleurs, les scientifiques ne cessent de nous mettre en garde contre, justement, les excès de cette croyance et contre tout déterminisme génétique. Jamais on a autant parlé de génétique et jamais on a en même temps autant dit « attention, tout n'est pas génétique ». Alors, pourquoi tout n'est pas génétique ? Parce que, d'une part, nous vivons dans un environnement et ce que nous buvons, ce que nous mangeons, l'air que nous respirons, etc., ont une influence sur nos maladies. Mais d'autre part, nos parents ont également vécu dans un environnement et nous ont transmis des choses par la même, et c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Il y a donc là, on observe une tension fondamentale entre, d'une part, l'investissement des individus et de la société dans les pouvoirs explicatifs de la génétique, et d'autre part, une forme de défiance dans les implications réelles ou imaginaires de ce pouvoir explicatif. Et il nous semble que cette tension travaille de l'intérieur le droit qui s'est développé dans les années 90 pour précisément tâcher de maîtriser ce qui est conçu comme un pouvoir inédit conféré à l'homme. Alors, pouvoir de quoi ? De se connaître, de se soigner, voire de se transformer. Alors, dès lors, la génétique a d'emblée été perçue, et ce, donc, comme on le disait à l'orée des années 90, a d'emblée été perçue comme particulière par rapport à d'autres disciplines médicales, en raison de la nature de l'information génétique, qui n'est pas une information comme une autre. Une information génétique, une donnée génétique, c'est une donnée personnelle, ultra sensible, qui touche le cœur de la vie privée, qui est potentiellement discriminante, qui est identifiante par elle-même, qui est partagée au sein de la famille et qui peut être angoissante car elle donne un sentiment d'inéluctabilité. Et là aussi, paradoxe, c'est une donnée qui s'exprime le plus souvent par une simple probabilité et non pas par une certitude, sauf pour les maladies monogéniques ou monofactorielles qui impliquent le dysfonctionnement d'un seul gène. Alors, d'où la notion apparue dès les années 90 d'exceptionnalisme génétique dans le traitement socio-juridique de cette information, qui signifie donc que l'information génétique ne fait pas l'objet d'un traitement comme n'importe quelle information médicale. J'y reviendrai brièvement. La question du consentement illustre de la manière la plus nette qui soit cet exceptionnalisme génétique. On le retrouve également dans le règlement général sur la protection des données personnelles. La donnée génétique fait l'objet d'une protection particulière. Alors, dès lors, si personne ne pourrait songer sérieusement à contester les progrès de la génétique clinique de ces 15 dernières années, il n'est pas possible, nous semble-t-il, d'éluder la question de savoir si se donner comme projet collectif de décrypter le génome de chacun d'entre nous est de nature à nous rendre plus libres ou pas. Pour paraphraser Freud, qui fut très influencé, vous le savez, par les travaux de Darwin et de Haeckel, la génétique nous enseignera-t-elle finalement que le moi est maître chez lui ou, au contraire, dépossédé de lui-même ? Et le droit, qui postule une certaine idée du sujet, n'est-il pas affecté dans ses énoncés, dans son pouvoir, par ce que la génétique dit de chacun et fait à chacun et à tous ? Ces questions se posent d'autant plus que la génomique se déploie dans un marché ultra compétitif, le séquençage à haut débit de nos génomes ayant pour conséquence la création de masses considérables de données génétiques qui ont en elles-mêmes un intérêt stratégique. Un seul exemple pour s'en convaincre, l'alliance d'une société très connue dans le domaine 23andMe, une société de tests génétiques avec plusieurs géants de la production de médicaments. Alors, on n'oubliera pas
bien entendu la génétique comme outil de modification du génome, mais on ne la mettra pas au premier plan, car à nos yeux, c'est la quête du savoir génétique et ces applications pratiques devenues routinières qui nous semblent aujourd'hui devoir être traitées au premier chef sous l'intitulé « Génétique et droit ». Avec cette question simple, mais fondamentale, de savoir si et dans l'affirmative de quelle façon cette quête interroge, voire ébranle notre cadre normatif. En clair, la routinisation de l'analyse génétique et la massification des données ainsi produites justifient-elles ou non que soit modifié l'exceptionnalisme des règles de droit en la matière? Alors, dès 1994, le législateur français mettait en place un socle, donc reflétant cet exceptionnalisme génétique, socle que je vais très brièvement décrire en première partie de notre intervention. Ensuite de quoi, Christine Noiville s'interrogera sur le point de savoir si les digues ainsi mises en place résistent, et on verra que certaines résistent, tandis que d'autres se fissurent. Alors, le socle normatif, donc un bref rappel de l'économie générale de la réglementation en matière d'analyse des caractéristiques génétiques. Alors, je distinguerai le point de vue formel et le point de vue matériel. D'un point de vue formel, ce socle normatif nous est fourni d'une part par les lois dites de bioéthique de 1994 qui ont été, vous le savez sans doute, déclinées dans le Code civil, dans le Code de la santé publique et dans le Code pénal. Lois qui ont été élaborées parallèlement à la constitution d'un corpus international qui est principalement représenté par la convention dite d'Oviedo du 4 avril 1997, dont le nom complet est la Convention pour la protection des droits de l'homme et la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, qu'on appelle aussi Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, sous l'égide du Conseil de l'Europe et qui a été enrichi de 4 protocoles au fur et à mesure des avancées techniques. Donc la loi, la convention d'Oviedo, une armature étoffée de soft law, la déclaration de l'UNESCO sur le patrimoine génétique humain, les innombrables avis du Comité consultatif national d'éthique sur les questions de génétique, les innombrables avis de l'Académie nationale de médecine et également la production des agences sanitaires comme l'ABM, l'Agence de biologie et de médecine, de biomédecine, pardon. Donc ça, c'était le point de vue formel. Du point de vue matériel, cet ensemble normatif s'articule autour d'un ensemble d'interdits jugés fondateurs et d'un encadrement strict de ce qui est permis. Alors, les interdits fondateurs, en réalité, c'est un interdit fondateur, c'est l'interdit de toucher à ce qui est considéré comme l'intégrité de l'espèce humaine. Bon. On est bien entendu très conscient de ce que cette notion peut avoir de flou et de discutable, on y reviendra peut-être. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que autant la modification des cellules somatiques, c'est-à-dire toutes les cellules de l'organisme, sauf les gamètes, donc cellules de peau, cellules de cheveux, etc. Donc autant la modification des cellules somatiques est permise, ce qu'on appelle la thérapie génique somatique, autant, dans l'objectif de préserver ce fameux patrimoine génétique de l'humanité, les pratiques qui conduisent à modifier la descendance de la personne sont prohibées de manière absolue. Et ce, dans l'article 16-4 du Code civil, qui est d'ordre public, et qui énonce donc « Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine », et ensuite décline cette prohibition. Interdiction de l'eugénisme, interdiction du clonage reproductif, l'expression n'est pas utilisée dans l'article, mais l'article utilise une périphrase qui signifie cela, et interdiction donc de la thérapie génique germinale. Lors de la révision de 2011, de la révision de la loi de bioéthique, fut également ajoutée l'interdiction de la création d'embryons transgéniques et chimériques dans le Code de la santé publique. Alors, s'agissant maintenant de ce qu'il est possible de faire en matière d'analyse du génome visant à recueillir des informations génétiques, un cadre strict est posé pour permettre et même favoriser les examens des caractéristiques génétiques lorsque c'est utile pour les patients et plus généralement pour les progrès de la médecine.
Mais en vertu de ce principe donc, d'exceptionnalisme génétique, ce cadre est restreint de 5 façons. Alors, premièrement, cela a été évoqué par Dorothée Diby tout à l'heure, la loi a limité la finalité de tels examens. Les lois de bioéthique sont des lois finalistes, c'est-à-dire que ces examens génétiques ne peuvent être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique. C'est l'article 16-10 du Code civil. Le contenu de ces finalités étant ensuite strictement détaillé au niveau réglementaire. Et c'est très important car le fait de détourner l'étude des caractéristiques génétiques à d'autres fins est pénalement sanctionné. Et dans la même logique, le fait par exemple pour un individu d'avoir recours aux tests génétiques en dehors du cadre médical, et notamment aux fameux tests disponibles via Internet, est également donc prohibé par le code pénal. Donc, en France, il est interdit de procéder ou d'avoir recours à un séquençage génétique en l'absence d'une prescription médicale ou hors requête d'un juge. Alors, on pourrait, mais on n'aura pas le temps, on pourrait dire que ce modèle d'exceptionnalisme a fait tache d'huile, hein, puisque lorsqu'il s'est agi de réglementer l'imagerie cérébrale, c'est le même système qui a été mis en place donc à l'article 16-14, mais je passe. Deuxième garantie, deuxième règle, la loi entoure de garanties spécifiques la réalisation de ces examens. Veillant à ce que la personne consente à un tel test en toute connaissance de cause, les textes exigent le consentement express écrit de la personne quant à la nature et à la finalité de l'examen. Et évidemment, ici, la comparaison avec la médecine non génétique saute aux yeux, puisque en matière médicale, il n'y a pas d'exigence d'un consentement écrit. Cette personne a également la possibilité de refuser à tout moment que les résultats de l'examen lui soient communiqués. Il s'agit du fameux droit de ne pas savoir, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Par ailleurs, seuls certains laboratoires de biologie médicale autorisés peuvent procéder à de tels examens. Troisième point, illustrant cet exceptionnalisme génétique, le législateur a organisé un système obligatoire d'information des membres de la famille, système que l'on qualifiera d'une extrême complexité pour ne pas le qualifier d'usine à gaz. Alors, l'idée est la suivante. Puisque les informations génétiques qui concernent chacun d'entre nous se retrouvent en partie chez d'autres individus de la même lignée génétique que la nôtre, donc ce sont les fameuses apparentés génétiques, il a paru logique qu'ils puissent en être informés lorsqu'une anomalie génétique grave et qui peut faire l'objet de mesures de prévention ou de soins est détectée. Donc, la procédure est détaillée à l'article L1131-1-2 du Code de la santé publique, dont je vous recommande la lecture, mais au terme de laquelle, dont il ressort, pardon, le dispositif suivant. Soit la personne ne veut pas savoir, d'accord ? Bon, dans ce cas-là, elle n'est pas obligée, évidemment pas obligée de se soumettre à un test, et si elle se soumet à un test, elle n'est pas obligée d'en connaître les résultats. On ne voit pas bien l'intérêt, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, si elle se soumet à un test, qu'elle veuille ou non connaître le résultat de deux choses. Une, soit elle informe elle-même ses apparentés, soit elle peut autoriser, dit le texte, mais quand on lit la suite du texte, on comprend que c'est elle doit autoriser, le médecin prescripteur a lui-même informé les apparentés. Quatrième point, le législateur a interdit que l'utilisation des tests génétiques puisse être dévoyée et que l'information qui en découle ne serve à des pratiques de sélection dans le domaine du travail ou de l'assurance. Donc, toute discrimination en raison des caractéristiques génétiques a été interdite, je le rappelais, article 16-3 du Code civil, mais également Code pénal, 225-1, et ceci est ensuite décliné dans le Code du travail pour les relations du travail, dans le Code des assurances pour les assurances. Enfin, le législateur a assuré que lorsque des données génétiques sont rassemblées à des fins de recherche, que non seulement il faut un consentement écrit pour une finalité donnée, on y reviendra, mais il faut que la recherche soit déclarée à la CNIL. Le donneur est régulièrement informé des recherches menées et de leurs résultats, et il a le droit de se retirer de la recherche en génétique à tout moment, sans justification. Ainsi donc, vous le voyez, une politique juridique qui consiste à circonscrire l'accès aux tests génétiques et aux informations qui en découlent, de sorte que l'information génétique soit recherchée et exploitée quand il y va de l'intérêt des personnes, mais qu'elle ne soit pas source d'angoisse inutile, de discrimination, évidemment d'eugénisme, qu'elle n'ait pas pour effet de cataloguer, de catégoriser, de discriminer. Donc,
Pour reprendre le mouvement de balancier précédemment décrit, c'est une réglementation qui reflète au moins autant les craintes que la fascination suscitée par la génétique. Alors donc Christine Wavil va maintenant nous décrire les digues, enfin ce qui advient de ces digues. Merci beaucoup. Alors comme vous le constatez, notre droit a donc érigé depuis 1994 une série de digues dont il faut, Florence le disait, s'interroger à présent sur la solidité face à cette espèce de massification du recours à la génétique dans notre société. Ce qui à cet égard ressort en premier lieu des travaux de révision en cours de la loi de bioéthique, et vous savez qu'ils sont très nombreux, CCNE, Conseil d'État, Office parlementaire, mission parlementaire récente, etc. Ce qui ressort donc de tous ces travaux, c'est la robustesse de la plupart de ces digues. Alors, bien sûr, des adaptations se révèlent nécessaires, comme à chaque révision de la loi de bioéthique. Pardon ? D'abord parce que le législateur se confronte à l'effectivité des règles qu'il a édictées. C'est ainsi, par exemple, qu'avec le recul, certaines règles paraissent décalées, ineffectives, comme l'interdiction de solliciter l'examen de ses caractéristiques génétiques en dehors du cadre médical, par exemple en ayant recours à des tests génétiques sur Internet. Les faits sont là pour attester, dans cet exemple précis, que cet interdit est en réalité assez vite défait à partir du moment où, vous le savez, ça a été rappelé, se développe à l'étranger une offre de tests qui sont en vente en ligne, sans considération évidemment de notre législation nationale, qui ont la caractéristique de pouvoir être pratiqués extrêmement facilement sur soi-même, sans le concours d'un professionnel, et dont la lecture et le diagnostic se font à distance. Et du coup, il n'est pas très étonnant dans ces conditions que l'interdit du code pénal soit largement transgressé et donc ineffectif. Ça ne veut pas dire qu'il soit pour autant vide de sens à partir du moment où il conserve parallèlement une portée symbolique, celle par exemple de vouloir affirmer la volonté de protéger les individus contre ce qui peut être une sorte de marché de dupes, on pourra y revenir. Mais précisément, une des questions qui va se poser au législateur, eh bien, ça va être d'arbitrer entre le symbole et l'effectivité pratique. Autres adaptations nécessaires, celle de la norme juridique à l'évolution des techniques et du débat éthique. Il y a 15 ans, vous vous souvenez peut-être, on autorisait la technique du diagnostic préimplantatoire dite HLA, qui permettait de faire naître ce qu'on appelait des bébés ce qu'on appelle toujours des bébés du double espoir. En fait, on fait naître un bébé dont on s'est préalablement assuré de la compatibilité avec un enfant aîné malade, pour pouvoir ensuite prélever chez lui des cellules souches qu'on appelle hématopoïétiques pour soigner avec ces cellules l'aîné en question. En réalité, on constate aujourd'hui que cette technique-là pose davantage de problèmes éthiques qu'elle n'apporte de réponse au couple, d'où l'idée de la supprimer purement et simplement de notre loi. Mais inversement, par exemple, on prend conscience que certains examens génétiques qui sont aujourd'hui impossible serait extrêmement utile, et c'est le cas notamment des examens génétiques sur des personnes décédées qui peuvent avoir un véritable intérêt médical pour les enfants ou pour les collatéraux, mais qui sont aujourd'hui très compliqués à réaliser dès lors qu'en application de l'article 16-10, il faut avoir eu le consentement de la personne qui décédée qui généralement n'a pas donné ce consentement, d'où la volonté du législateur aujourd'hui de faire en sorte que ces examens soient possibles à partir du moment où, de son vivant, la personne en question ne s'y était simplement pas opposée. Et puis toujours sur les adaptations, au-delà de la question de l'adéquation des normes aux pratiques, c'est aussi à la complexité scientifique et technique que le législateur doit s'adapter. Quand le Code de la santé publique, par exemple, interdit, comme l'a rappelé Florence Bellivier tout à l'heure, de créer des embryons transgéniques ou des embryons chimériques, est-ce que cette qualification-là englobe ou non toute une série de techniques très récentes, qu'on appelle des techniques d'édition génique? Par exemple, vous avez peut-être entendu parler de CRISPR-Cas9. Il y a là une question assez complexe du point de vue de la qualification scientifique et juridique, avec évidemment derrière cela un enjeu pratique qui n'est pas anodin, on s'en doute. Donc de multiples interrogations sur l'adaptation, d'ailleurs décortiquées et analysées en détail dans les nombreux travaux préparatoires auxquels je faisais allusion tout à l'heure,
et qui, entre parenthèses, confirme, si besoin en était, que notre droit, avec les procédures qu'il a mises en place, de révision régulière de la loi de bioéthique et de débat public, d'une part, n'est pas véritablement à la traîne, nous semble-t-il, des évolutions scientifiques et techniques, et d'autre part, se discute dans des conditions démocratiques qui sont réelles, ce qui d'ailleurs tranche relativement avec les cas de figure auxquels Frédéric Desportes fera probablement allusion tout à l'heure en matière pénale, le portrait robot génétique, la recherche en parentèle, etc., toutes évolutions qui se font soit par leur jurisprudence, soit via des circulaires, soit au détour d'une loi réservée à un tout autre sujet. Ici, dans le champ qui nous intéresse, qui nous occupe aujourd'hui, celui de la santé, eh bien, on s'aperçoit au contraire que la faisabilité technique est loin de préempter le débat sur les enjeux éthiques et de société, et c'est d'ailleurs tout l'enjeu, tout l'intérêt, le sens même de la révision régulière. Mais au-delà de ces adaptations, je disais, qui sont inévitables, ce qui ressort de l'analyse, nous semble-t-il, c'est que les fondamentaux dont s'est doté notre droit il y a 25 ans résistent. La réflexion demeure ancrée dans les grands principes, extra-patrimonialité, consentement, droit de ne pas savoir. Elle illustre une conscience nette des bénéfices que peuvent procurer les évolutions de la génétique, notamment en matière de santé. Mais dans le même temps, rien dans les débats en cours n'atteste l'idée d'une espèce de super-héros génétique, et tout au contraire atteste la volonté de protéger les personnes contre les dangers que ferait peser sur elle une vision trop génocentrée, comme si la génétique était le savoir génétique était une espèce d'idéal. Ce positionnement, il est très visible dans les débats actuels sur le type de test génétique à rendre accessible dans le cadre français. Peut-être en viendra-t-on, je le disais tout à l'heure, à supprimer l'interdit de recourir à des tests en ligne au nom d'une espèce de principe de réalité, mais manifestement, sur le territoire français, l'accès aux tests ne deviendra pas pour autant affaire de convenance personnelle ou de libre arbitre, quitte à ce que notre pays reste plus sévère que d'autres en la matière. Dans cette veine, ce qui est assez intéressant à constater, c'est qu'on observe une très grande réticence à l'égard des tests qui viseraient, par exemple, à établir, à la demande des individus, une sorte de carte d'identité des risques génétiques de chacun. Même chose pour ce qui concerne les tests dits préconceptionnels, que souhaitent maintenant faire un certain nombre de couples, visiblement de plus en plus de couples, avant même de concevoir un enfant, et alors même qu'ils sont en bonne santé, simplement au cas où la combinaison de leurs gènes pourrait faire naître une anomalie génétique chez leur descendance. Grande réticence aussi à l'égard des évolutions du dépistage prénatal, donc cette fois-ci plus en aval, une fois la femme enceinte. Dans un certain nombre de pays, comme la Belgique ou comme la Hollande, le choix a été fait de profiter du dépistage prénatal, que vous savez, systématique de la trisomie 21, pour, en début de grossesse donc, pour rechercher chez le fœtus toute une série d'autres anomalies génétiques au-delà de la trisomie. Eh bien, la France, elle, entend manifestement pour l'heure s'en tenir aux trisomies. On se doute bien sûr que derrière ces réticences à élargir l'accès aux tests génétiques, le spectre des anomalies testées, il y a toute une série de considérations d'ordre pratique, économique, qui jouent. Est-ce que notre système de soins français en a les capacités techniques, les moyens humains, les moyens financiers? C'est évidemment une vraie question. Mais dans cette grande prudence, il faut à l'évidence voir aussi une volonté réitérée de respecter les fondamentaux du socle mis en place il y a 25 ans, en particulier pour les exemples qu'on a donnés, donc prévenir toute dérive eugéniste et puis aussi protéger les personnes contre une espèce d'illusion selon laquelle la génétique peut tout expliquer, tout maîtriser. Et cette réalité-là, elle ressort également très nettement du débat en cours sur l'information du patient et notamment d'une question qui est aujourd'hui abondamment discutée, c'est celle dite des informations fortuites et des informations secondaires. De quoi s'agit-il ? Eh bien, lorsque l'analyse des caractéristiques génétiques d'un patient est menée, par exemple pour déterminer les facteurs génétiques de son cancer,
il se peut que d'autres anomalies, d'autres informations génétiques, sans lien avec le cancer, apparaissent fortuitement, sans qu'on les ait recherchées. Par exemple, en même temps qu'on recherche les causes génétiques du cancer du côlon d'une femme, on va s'apercevoir qu'elle a une mutation génétique qui la prédispose à un cancer du sein. Au-delà de ces informations fortuites, qui s'imposent donc en quelque sorte, qui crèvent les yeux du médecin, d'autres informations peuvent aussi être recherchées, cette fois-ci délibérément, l'idée étant alors d'utiliser le séquençage comme une espèce d'occasion de rechercher secondairement, en plus des facteurs liés, dans notre exemple, au cancer, des prédispositions génétiques à telle forme de diabète ou à telle forme de maladie rare. Faut-il donner aux patients ces informations-là ? Et faut-il même, pour celles qui ne sautent pas aux yeux, en quelque sorte, aller les rechercher, faire la démarche de les rechercher ? Eh bien, sur le sujet, les travaux préparatoires sont très mesurés, et ce que l'on ressent à travers eux, c'est vraiment une volonté de penser l'information en fonction de l'utilité qu'elle peut avoir pour le patient, en proscrivant toute idée d'une information systématique, mécanique, etc., etc. Ce qui est réaffirmé avec force ici, en fait, ce sont les grands principes de notre droit. Un, n'est donné comme information que ce pour quoi le patient a consenti, sachant qu'on vous l'a dit, il peut retirer son consentement à tout moment et il peut faire valoir son droit de ne pas savoir. Deux, lorsqu'il souhaite savoir, c'est au médecin, dans le cadre du colloque singulier, de déterminer au cas par cas celles des informations qui ont une valeur diagnostique, pronostique, celles pour lesquelles il y a quelque chose à faire en termes de prévention ou de soins. Cela peut être utile de dire à une femme chez qui on découvre une prédisposition à un cancer du sein qu'elle a cette prédisposition car une prise en charge médicale est possible. On peut au contraire se poser la question de savoir s'il n'est pas inutilement anxiogène d'annoncer à une femme enceinte que le séquençage montre, je cite, un risque non chiffrable de léger retard mental. Sans compter que cela peut aussi conduire la femme à choisir l'avortement sur la base d'une approche très subjective. Donc c'est vraiment sur ce socle-là qu'entend bâtir le législateur, sachant que les travaux préparatoires à la révision martèlent par ailleurs cette idée selon laquelle non seulement un accompagnement personnalisé et qualifié par un conseiller génétique reste nécessaire, mais il doit être renforcé. Donc on le voit, la plupart des remparts résistent, mais dans le même temps, il faut bien constater que d'autres paraissent davantage mis à l'épreuve. Et ce sera la troisième et dernière partie de cet exposé commun, qui sera plus courte, je vous rassure. Mis à l'épreuve, et même parfois à rude épreuve, c'est ce que l'on constate, notamment en ce qui concerne l'interdit énoncé par l'article 16.4 du Code civil. Donc, je vous rappelle... ce qu'il énonce. Aucune transformation ne peut être apportée au caractère génétique dans le but de modifier la descendance de la personne. Dans ce qu'il appelle une amorce de réflexion, le rapport du Conseil d'État de juin dernier s'interroge ainsi, de façon, il faut le dire, quand même assez inédite, sur le point de savoir s'il serait finalement si problématique de modifier génétiquement les cellules germinales ou les embryons lorsque cela présente un intérêt clinique, et pose la question en ces termes, est-ce que transmettre une modification génétique à la descendance est vraiment un principe éthique indépassable ? Est-ce que ce serait plus problématique de modifier génétiquement un embryon avant de l'implanter que de sélectionner, dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation, des embryons sans anomalie, ou que de permettre des interruptions médicales de grossesse lorsque le fœtus est atteint d'anomalie ? Et c'est assez intéressant de constater que le Conseil d'État est en cela suivi par le récent rapport parlementaire du mois dernier, qui, moins engagé, tout en disant qu'il est encore beaucoup trop tôt pour s'engager dans cette voie, s'autorise quand même à l'envisager. Alors certains s'en réjouiront, d'autres le déploreront profondément, mais en tout cas ce qu'on voit là, c'est une espèce de lézarde dans un socle, celui de l'article 16.4, qui jusqu'ici paraissait quand même vraiment tout à fait immuable. Et puis, parallèlement, on est obligé de constater que notre droit, malgré toute la vigilance de nos institutions pour que ces fondations résistent, est fragilisé par certaines évolutions de la génétique, et notamment par le changement d'échelle du séquençage du génome. On l'a dit, vous l'avez compris, il est désormais destiné à être pratiqué
à haut débit et en routine dans le parcours de soins. Et cela soulève des difficultés, notamment quant à la manière d'articuler au mieux les intérêts de l'individu d'un côté et puis de la collectivité de l'autre. Et d'abord, les intérêts entre l'individu et cette collectivité très restreinte qu'est sa famille. Florence l'a dit tout à l'heure, un dispositif d'information génétique familiale a été mis en place et il est évident que le séquençage en routine vers lequel on s'achemine, qui va produire de plus en plus d'informations génétiques, y compris incidentes, secondaires, potentiellement secondaires, eh bien, sollicitera davantage ce dispositif. Or, Florence a rappelé, a montré comment le système est complexe, à la lecture du fameux article du Code de la santé publique, complexe, contourné. Le récent rapport de l'Agence de la biomédecine ajoute qu'en réalité, il se révèle extrêmement difficile à mettre en œuvre. On imagine que ces difficultés vont donc être démultipliées par le séquençage à haut débit et peut-être un peu inquiet de voir comment il va être appliqué face au flot d'informations qui va en découler. Au-delà de l'information de la parentèle, ce que le séquençage réinterroge aussi, c'est le lien entre l'individu et la collectivité au sens plus large du terme. Par exemple, on a compris que cette politique de séquençage en routine, elle est entreprise non seulement au nom de l'intérêt thérapeutique du patient, mais plus généralement au nom de la recherche en santé. Alors, faut-il qu'au nom de cet intérêt-là, on revoie les règles de consentement à la recherche, de consentement des individus à la recherche? C'est une question qui est posée de plus en plus par un certain nombre de chercheurs. Vous savez probablement que c'est déjà dans cette direction de l'assouplissement que la loi Jardé du 5 mars 2012 a fait évoluer notre droit ces dernières années, puisque le consentement à la recherche reste indispensable, Florence l'a dit, mais en cas de réutilisation des échantillons et des données pour une autre recherche, alors à ce moment-là, il suffit en quelque sorte de se contenter de l'absence d'opposition de la personne. Faut-il aller plus loin? Faut-il aller, par exemple, vers une espèce de consentement global, une sorte de blanc-seing à toute recherche? C'est une question qui est manifestement posée. Évidemment, là, celle qu'on se pose immédiatement dans la foulée, c'est de savoir comment faire évoluer le système d'une façon qui reste suffisamment protectrice des personnes. Autre question qu'il faut affronter, évidemment, c'est celle de savoir comment on va assurer la maîtrise de ces informations génétiques par les individus. Puisque ces informations sont produites de plus en plus en masse, qu'elles sont de plus en plus exploitées et valorisées, alors il y a un enjeu croissant à penser cette question, d'autant qu'on sait maintenant que ces données ne sont pas complètement anonymisables. Donc, qui va les stocker, qui va les gérer, etc., etc. Est-ce qu'on va aller dans un système proche du système américain qui met en jeu un certain nombre d'entreprises privées, y compris Google, et comment faire pour faire en sorte que nos principes selon lesquels les données génétiques ne soient pas utilisées comme des outils de discrimination dans l'accès à l'emploi, dans l'accès à l'assurance, tiennent par rapport à ces évolutions. Et puis enfin, dernière question, notre droit, on l'a vu jusqu'ici, a fermement affirmé que c'est à la personne d'apprécier individuellement et souverainement si elle veut connaître ces informations génétiques. Comment éviter que le séquençage en routine ne nous fasse progressivement basculer dans un système dans lequel il y aurait une espèce d'injonction à se tester en permanence pour savoir de plus en plus? Par exemple, on a évoqué tout à l'heure la question des informations secondaires et on a vu l'attitude très mesurée de nos pouvoirs publics qui disent, grosso modo, prenons le temps pour réfléchir parce que dans la recherche des informations secondaires, il peut y avoir une vraie chance pour les patients, mais pas toujours. Or, ce que l'on remarque, c'est que sur le terrain, certaines pratiques paraissent en décalage avec cette prudence. Il semble qu'il y ait une évidente tentation, et même une volonté de certains, d'aller dans le sens d'une recherche systématique. Ce qui pose évidemment question, d'abord sur le plan juridique, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'article 16.10 prévoit bien que le patient consent à un examen des caractéristiques génétiques pour une finalité donnée, d'une part, et puis d'autre part, et plus généralement, rechercher de plus en plus systématiquement des anomalies génétiques est un élément qui, à l'évidence, peut contribuer à nous faire basculer dans une société
où il conviendrait de se tester, encore une fois, sous toutes les coutures, où l'information génétique deviendrait une valeur en soi, un outil de régulation du marché du travail, de l'assurance, etc., etc., au bout du compte, au mépris de notre principe de solidarité. Donc on voit, et je terminerai par là, que notre droit repose sur un socle solide, que ces grands principes ne sont pas remis en chantier, mais que la question qui se pose aujourd'hui, essentiellement, c'est celle de la déclinaison de ces principes. Information, consentement, droit de ne pas savoir, solidarité, protection de la vie privée, etc. Et de savoir comment concrètement on va les mettre en œuvre face à cette espèce de massification, de banalisation et de routinisation de ce qu'on appelle maintenant la génomique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc maintenant, Monsieur l'avocat général Frédéric Desportes va nous exposer les aspects du droit pénal de ces questions. Merci beaucoup. Oui, je vous remercie. En droit pénal, la question est beaucoup plus circonscrite puisque la génétique pose essentiellement la question de la preuve, de l'analyse génétique comme mode de preuve et plus précisément comme mode d'identification des auteurs d'infraction. C'est donc ce thème que je vais aborder dans mon intervention. L'identification, pour les raisons qui ont été indiquées tout à l'heure, chacun a une empreinte génétique qui lui est propre. Donc, à partir d'une trace biologique retrouvée sur une scène de crime, par exemple, il est assez facile d'identifier, à partir de l'empreinte génétique extraite de l'ADN trouvé sur cette trace, d'identifier, d'attribuer cette trace à la personne qui a la même empreinte génétique. Donc le système est absolument le même que celui qui a été mis en œuvre il y a près d'un siècle, à l'époque de Bertillon, d'Alphonse Bertillon, avec les empreintes digitales. C'est absolument le même principe. Chacun ayant sa propre empreinte génétique, à partir d'une empreinte génétique trouvée sur une scène de crime, il est possible d'identifier la personne, celle qui a la même empreinte. Alors, cet usage de l'analyse génétique comme mode de preuve pénale est apparu à la fin des années 90 dans une série d'affaires qui ont un peu défrayé la chronique, que je n'évoquerai pas davantage, mais ces affaires ont mis en évidence tout l'intérêt qu'il y avait à tirer parti de ces analyses génétiques et de favoriser la mise en œuvre de ces analyses. C'est la raison pour laquelle le législateur s'est donné les moyens de cette exploitation en créant, par la loi du 17 juin 1998, le FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, une loi qui a été modifiée quelques 8 reprises depuis lors, et qui introduit dans le Code de procédure pénale un certain nombre de dispositions qui encadrent ce fichier. Ces dispositions figurent aux articles 706-54 et suivants du Code de procédure pénale. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail du fonctionnement du FNAEG, ce serait extrêmement fastidieux et inutile, mais il faut simplement retenir que figure d'abord que ce fichier a bien entendu pour finalité de rechercher et d'identifier les auteurs d'infractions pénales, mais pas de toutes les infractions pénales. Les auteurs de l'une des infractions énumérées à l'article 706-55 du Code de procédure pénale, mais cette énumération est extrêmement large, elle déborde très largement les infractions sexuelles qui ont déterminé, il faut bien le dire, à l'origine la création du FNAEG, pour embrasser un nombre d'infractions considérables et de gravité et de nature très variable, puisqu'on y trouve à la fois les crimes contre l'humanité et un certain nombre d'atteintes aux biens, les vols, les violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail. Donc on voit que le spectre est tout de même extrêmement étendu. Alors, figure dans le FNAEG, tout d'abord, les empreintes génétiques extraites de traces inconnues, c'est-à-dire de traces biologiques trouvées sur des scènes de crime notamment, dont l'origine est inconnue. Par ailleurs, les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l'une des infractions énumérées à l'article 706-55. Et enfin, les traces génétiques, je vous donne les règles essentielles, bien entendu, les empreintes génétiques des personnes qui ont été mises en cause dans une procédure, plus précisément
des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants qu'elles ont commis l'une des infractions énumérées à l'article 706-55 du Code de procédure pénale. Et donc le rapprochement se fait, je prends l'exemple type, c'est une empreinte génétique extraite d'un ADN trouvé sur une scène de crime. On fait un rapprochement avec l'ensemble des données qui figurent dans le fichier, donc il est possible de rapprocher cette trace d'autres traces et donc de mettre en évidence, le cas échéant, un criminel d'habitude, un criminel en série, ou plus directement, tout simplement, c'est évidemment ce qui est recherché d'abord, d'identifier la personne qui est à l'origine de cette trace et qui se trouverait donc inscrite au fichier. Alors, le fichier a eu un succès fulgurant puisque je crois qu'en 2002, il devait y avoir 4700 inscriptions d'empreintes de personnes identifiées ou de traces inconnues. Aujourd'hui, il y en a 3,4 millions, dont 2,9 millions qui sont des empreintes de personnes identifiées, donc condamnées, mises en cause, et 480 000 qui sont des empreintes extraites de traces d'origine inconnue. Donc ça représente tout de même à peu près 4% de la population française, ce qui n'est pas négligeable, même si dans le fichier, on sait qu'il y a des doublons et que ces chiffres sont sans doute un peu excessif, enfin, il reste tout de même très important. Alors, succès considérable au point qu'on a pu parler à propos de l'analyse ADN, on a pu présenter cette analyse comme la nouvelle reine des preuves, détrôner l'aveu qui avait ce titre enviable il y a quelques temps. On a parlé aussi de preuve absolue et il est certain que l'ADN, par son côté, que l'analyse ADN, par son côté scientifique, objectif, presque implacable, est une preuve qui joue un rôle considérable dans un grand nombre d'affaires sensibles. Mais il faut faire très attention à ne pas lui apporter plus de poids qu'elle n'en a. Une analyse ADN permet d'attribuer telle trace à telle personne, point final. C'est-à-dire que, en aucun cas, bien entendu, on ne peut, à partir d'une telle analyse, établir que telle personne a commis l'infraction. On peut éventuellement établir l'existence de relations sexuelles. Des relations sexuelles ne signifient pas, par exemple, qu'il y a eu viol. Et un certain nombre d'affaires qui sont venues jusqu'à la chambre criminelle ont mis en évidence les limites de l'analyse ADN. Cela étant, c'est évidemment un moyen de preuve absolument déterminant, non seulement pour mettre en cause, mais également pour disculper. Il y a un certain nombre d'affaires qui sont venues devant la cour de révision et qui ont donné lieu à révision, dans lesquelles des personnes qui avaient été condamnées, parfois des peines très lourdes, de 18 ans, 20 ans de réclusion criminelle, dans des affaires précisément de meurtre, ont vu leur condamnation révisée, pour l'essentiel, grâce à des constatations faites à partir d'analyses ADN qui n'avaient pas été faites à l'époque ou qui n'étaient pas possibles à l'époque et qui ont permis de remettre en cause ces condamnations. Mais ce n'est pas de cette question, enfin, ce n'est pas de l'utilité dans les procédures pénales de l'analyse ADN dont je voudrais vous parler. Je voulais insister principalement sur les questions qui sont soulevées par cette analyse au regard de la protection de la vie privée. Il est certain que l'ADN comporte un certain nombre d'informations qui intéressent la vie personnelle des personnes, le plus intime de ce qui les constitue. Ces analyses peuvent faire apparaître, comme cela vous a été indiqué, des prédispositions pathologiques, des anomalies génétiques, une origine ethnique. Elles peuvent être le moyen d'une stigmatisation. Donc, il est évident qu'elles doivent être utilisées avec beaucoup de précautions. La Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt Marper contre Royaume-Uni de 2008, a énoncé que la simple conservation des empreintes génétiques, indépendamment même de leur utilisation, constituait déjà une ingérence dans la vie privée. Donc, la
Cour européenne des droits de l'homme voit donc dans les empreintes génétiques des données personnelles sensibles qui méritent la protection la plus élevée. Protection qui est assurée, vous le savez, par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui proclame le droit à la vie privée, et dans l'ordre interne, par l'article 2 de la déclaration de 1789, dans lequel le Conseil constitutionnel a vu le fondement de la protection de la vie privée. Alors, bien entendu, comme toujours en matière de liberté fondamentale, il s'agit d'établir une balance entre la protection de cette liberté, très importante, et d'autre part, d'autres intérêts. Intérêts que la Cour européenne des droits de l'homme qualifie de but légitime, que le Conseil constitutionnel qualifie d'objectif constitutionnel, et intérêts qui ont un certain poids, eux, en espèce, puisqu'il s'agit de prévenir la commission d'infraction et de réprimer les auteurs d'infraction. Et bien entendu, le poids sur ce plateau de la balance est assez lourd lorsqu'il s'agit des infractions les plus graves, comme le meurtre, les viols, etc. Alors, cette balance, le législateur européen a tenté de la faire, puisqu'une recommandation 92.1 élaborée au sein du Conseil de l'Europe et dont l'intitulé exact est « Recommandation sur l'utilisation des analyses de l'ADN dans le cadre des systèmes de justice pénale », cette recommandation a fixé un certain nombre de règles relatives à l'utilisation de l'ADN comme moyen de preuve dans les procédures pénales, et c'est essentiellement dans le cadre de cette recommandation que s'inscrit le dispositif français, y compris d'ailleurs le FNAEG que j'ai évoqué il y a quelques instants. En définitive, la problématique en la matière, elle est assez proche de celle que l'on a rencontrée pour la mise en œuvre des moyens de communication électronique. C'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que je dirais, pour parler un peu trivialement, que la science ou les progrès techniques font la course en tête. C'est-à-dire que le progrès technique offre de nouveaux moyens d'investigation. La pratique policière et judiciaire est évidemment tentée de s'engouffrer dans ces ouvertures. Et ensuite, derrière, de la jurisprudence, la Cour de cassation en l'occurrence, puis évidemment le législateur, sont amenés à arbitrer, à fixer des limites, la limite de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. Une bonne illustration est donnée de cette évolution par le portrait robot génétique qui était évoqué il y a quelques instants. Je vous ai dit en introduction à mon propos que l'identification à partir de l'empreinte génétique était l'utilisation première de cette empreinte en procédure pénale. Donc c'est une identification par rapprochement. Mais il est apparu dans la pratique une autre manière d'utiliser les traces, enfin l'ADN, qui a consisté à extraire de cette trace, enfin de cet ADN, les caractéristiques génétiques de l'intéressé pour déterminer ses traits apparents, sa morphologie. C'est ce que l'on a appelé le portrait robot génétique, sur lequel je reviendrai, mais on voit qu'on est là dans un champ très différent, puisqu'il ne s'agit plus d'effectuer une comparaison en vue d'une identification, mais il s'agit véritablement d'un profilage, en vue non pas d'identifier, parce que les informations que l'on tire de cette manière-là de l'ADN sont très sommaires, mais d'orienter le travail des enquêteurs pour faire une sorte de sélection entre les personnes qu'on peut retenir comme suspectes ou surtout celles qu'on peut ne pas retenir comme suspectes parce que leurs traits ne correspondent pas à ceux qui ont été mis au jour par l'analyse de l'ADN. Alors précisément, je voudrais évoquer quelques questions mettant en évidence les interrogations que peut susciter l'utilisation de l'ADN en matière pénale au regard de la protection de la vie privée. Deux de ces questions intéressent le FNAEG, donc la comparaison aux fins d'identification. La troisième sera relative à l'utilisation du portrait robot génétique et donc à l'analyse de l'ADN aux fins de profilage, pour parler un peu sommairement. Alors, première question relative aux
qui est donc relative au fonctionnement du FNAEG, c'est celle des règles prévues par le législateur pour assurer la protection des données personnelles, ou plutôt pour assurer la protection des intérêts des personnes dont l'empreinte génétique est enregistrée au FNAEG. Alors, c'est une question qui déborde un peu le thème qui est le nôtre aujourd'hui, puisque ça n'est pas une question propre, je dirais, à la génétique. C'est une question, en fait, qui intéresse le traitement des données personnelles dans les fichiers. Mais il est tout de même intéressant d'évoquer de quelle manière les données personnelles très particulières que sont les données génétiques sont protégées dans un fichier dont l'objet est de les rassembler pour favoriser l'identification des auteurs d'infractions. Alors, la question posée donc est celle de la durée de conservation de ces empreintes, de ces inscriptions au FNAEG, et celle des modalités de leur effacement. En l'état actuel des textes, le législateur distingue deux cas de figure que j'évoquais tout à l'heure. Le premier est celui des personnes condamnées à l'une des infractions prévues à l'article 706-55 du Code de procédure pénale. Pour ces personnes, les règles sont très simples et très claires. Les empreintes sont conservées pour une durée de 40 ans et aucune possibilité n'est offerte aux intéressés pour en obtenir l'effacement avant l'expiration de ce délai. S'agissant maintenant des personnes mises en cause, c'est-à-dire que des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants qu'elles ont pu commettre l'infraction, la durée de conservation est de 25 ans et une possibilité d'effacement est ouverte. L'effacement est possible à l'initiative du procureur de la République qui agit soit d'office, soit à la demande des intéressés. Et s'il rejette la demande des intéressés, ceux-ci ont la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention qui statue sous le contrôle du président de la Chambre de l'instruction. C'est le dispositif législatif. Alors, la question s'est posée de savoir si ce dispositif était suffisamment protecteur des intérêts des personnes dont les empreintes génétiques étaient enregistrées au FNAEG. Et je passerai la chronologie pour aller directement à l'essentiel. La Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt Ekager du 22 juin 2017, a répondu par la négative très clairement. Mais avant de dire trois mots de sa décision, je souhaitais vous préciser les circonstances dans lesquelles elle a été saisie. Une personne qui avait participé à une manifestation au sein d'un syndicat agricole basque avait frappé des membres des forces de l'ordre au cours d'une échauffourée, à l'aide d'un parapluie, ce qui lui avait valu d'être condamné pour violence volontaire n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sur une personne dépositaire de l'autorité publique et avec arme. Cette infraction entrant dans les prévisions de l'article 706-55 du Code de procédure pénale, il a été décidé d'opérer un prélèvement biologique en vue de l'inscription de son empreinte génétique au FNAEG. La personne a alors refusé ce prélèvement en indiquant qu'il s'agissait d'une ingérence excessive dans la vie privée, dans la mesure où les règles de protection de la vie privée prévues par le législateur au profit des condamnés étaient insuffisantes. Je vous rappelle, 40 ans, impossibilité de demander l'effacement avant l'expiration de ce délai. Cette personne, M. Ekager, n'a pas été suivie par les juridictions pénales qui l'ont condamné. Le pourvoi qu'il a formé devant la Chambre criminelle a été rejeté. Et donc, il a saisi la Cour européenne des droits de l'homme qui, dans son arrêt du 22 juin 2017, lui a donné raison. La Cour européenne a rappelé, je cite sa formule, que les fichiers à vocation pénale contenant des données personnelles ne sauraient être mis en œuvre, je la cite, dans une logique excessive de maximalisation, des informations qui y sont placées et de la durée de leur conservation. Elle a ajouté que la marge d'appréciation des États était très restreinte, je la cite toujours, lorsqu'un aspect particulièrement important de l'existence ou de l'identité d'un individu se trouve en jeu.
Et en l'occurrence, donc, il faut considérer que l'empreinte génétique constitue un aspect particulièrement important de l'existence ou de l'identité d'un individu. La Cour européenne a considéré, bien entendu, que la durée de 40 ans était excessive, puisqu'elle revenait dès lors que la personne avait un certain âge, en réalité, à une durée indéfinie, et que l'absence totale de possibilité d'effacement prématuré était constituée également une mesure, une limite disproportionnée au regard de la protection de la vie privée. Il est assez remarquable que dans sa décision, elle se soit d'ailleurs inspirée, enfin, elle ait cité plutôt le Conseil constitutionnel qui lui-même, en 2010, saisi par une QPC par la Cour de cassation, avait émis une réserve d'interprétation relevant qu'il était souhaitable que les durées de conservation au FNAEG soient adaptées à la gravité et à la nature des infractions dont je vous ai dit qu'elles étaient très diverses. Cette condamnation de la France est intervenue après d'autres condamnations pour d'autres fichiers comme le FAED ou le STIC. Elle a été suivie d'une censure par le Conseil constitutionnel des règles régissant le TAJ, autre fichier, censure intervenue en 2017 et qui évoque beaucoup celle de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, quelles seront les suites de l'arrêt Ekaguerre? Alors, tout d'abord, il est évident que cette condamnation de la France appelle une réaction législative et réglementaire. Cette réaction, je dirais, elle est en cours, puisque au cours de la discussion de la loi de programmation sur la justice, la loi qui est actuellement au Parlement, un amendement a été adopté à l'initiative de la commission des lois, amendement qui ouvre aux personnes condamnées la possibilité de demander l'effacement de l'inscription au FNAEG avant, évidemment, l'expiration d'un délai de 40 ans. Il y a une petite restriction qui est prévue par le texte. Cette demande d'effacement ne pourra pas être présentée avant l'expiration d'un délai qui doit être fixé par voie réglementaire. Enfin, la possibilité d'effacement est ouverte par ce texte qui, de ce point de vue-là, sera mis en conformité, si le texte est définitivement adopté, ce qu'on peut penser, sera mis définitivement en conformité avec les exigences européennes. Reste que la durée de conservation au FNAEG est toujours de 40 ans et que cette durée est fixée par voie réglementaire, de sorte qu'il n'appartient pas au législateur de la fixer, mais au gouvernement, enfin, pas au Parlement, mais au gouvernement, ce qu'il devrait faire sans doute, peut-être, en même temps qu'il prendra les décrets d'application de la loi de programmation. Enfin, là, c'est une interrogation, je n'ai pas d'informations privilégiées sur ce point. Mais il est tout de même intéressant et important que la législation soit mise en conformité de ce point de vue-là, parce que la Chambre criminelle a eu l'occasion, après que l'arrêt Ekaguerre a été rendu, d'examiner la conventionnalité d'une condamnation pour refus de prélèvement après l'arrêt Ekaguerre. Bien entendu, une personne qui avait refusé le prélèvement qu'on tentait de lui imposer s'était vue condamnée de ce chef et elle avait invoqué l'inconventionnalité de cette condamnation en faisant valoir que elle constituait une intrusion excessive dans sa vie privée compte tenu de l'insuffisance des règles régissant le FNAEG. Mais cette personne était une personne mise en cause et non pas une personne condamnée. C'est-à-dire qu'elle avait, elle, la possibilité de demander l'effacement des données inscrites au FNAEG. Et bien que la durée de conservation soit de 25 ans et qu'elle puisse être tenue également pour excessive, la Chambre criminelle a considéré que la simple possibilité pour la personne concernée de pouvoir demander l'effacement de son inscription au FNAEG suffisait à assurer la conformité du dispositif aux exigences européennes. Ce dont on peut déduire que la solution sera sans doute la même une fois que l'amendement que j'évoquais tout à l'heure sera définitivement adopté, une fois que la loi que j'évoquais tout à l'heure sera définitivement adoptée, on peut penser que, y compris pour les personnes condamnées, la simple possibilité qu'elles puissent
demander l'effacement de la condamnation suffira à assurer la conventionnalité des condamnations pour refus de prélèvement en vue d'une inscription au FNAEG. Deuxième question posée par le FNAEG, toujours, c'est celle de l'utilisation des données qui sont conservées et de la nature même de ces données. Première question, celle des modes d'utilisation. En fait, la question que je souhaite aborder là, c'est celle de ce qu'on appelle les recherches en parentèle. En principe, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, le fichier, il est conçu pour rapprocher deux empreintes génétiques identiques qui permettent d'identifier directement la personne concernée. Mais est apparu aux États-Unis, il y a déjà un certain temps, des rapprochements dits en parentèle, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'identifier la même personne, enfin la personne à l'origine de la trace biologique, mais un parent, une personne apparentée à celle qui est à l'origine de la trace biologique. Bien entendu, tout l'intérêt, c'est que de ce rapprochement, on déduit que la personne qui est à l'origine de la trace et se situe dans l'entourage parental de la personne qui est inscrite au fichier, ce qui permet d'orienter les recherches vers cet entourage parental et donc d'identifier et de cibler dans cet entourage le suspect. Je vous fais une présentation évidemment un peu simple du dispositif pour être parfaitement clair. C'est un dispositif évidemment qui est très séduisant parce qu'il démultiplie la capacité d'investigation offerte par le FNAEG. C'est une méthode qui pose tout de même de sérieuses interrogations au regard de la protection de la vie privée, dans la mesure où elle revient à, c'est un petit peu abrupt de dire les choses comme ça, mais à un fichage indirect des personnes qui se trouvent dans l'entourage parental des personnes fichées, puisque ce système va conduire les enquêteurs à orienter des investigations vers d'autres personnes qui n'ont d'autres raisons d'être impliquées dans l'affaire que d'être parents d'une personne qui est inscrite au FNAEG. Donc, il y a tout de même quelques interrogations au regard de la protection de la vie privée posée par ce dispositif. Néanmoins, il a été mis en œuvre, et là, c'est tout à fait typique du mouvement que j'évoquais en introduction, il a été mis en œuvre par la pratique judiciaire, qui a tout de même été encadrée par un protocole signé en 2011 entre le directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale, qui ont signé un protocole qui, tout en constatant que ce dispositif n'était pas interdit par le code de procédure pénale, par les articles 756-54 que j'évoquais tout à l'heure, ont tout de même ressenti le besoin de l'encadrer. Donc on voit bien qu'on est tout de même à la marge du dispositif, en prévoyant que ce ne serait possible qu'en matière criminelle qu'au cours d'une instruction et que seuls les ascendants en ligne directe pourraient être recherchés, ascendants et descendants, pardon, en ligne directe pourraient être recherchés, enfin, que seule une recherche en ligne directe pourrait être effectuée en voie ascendante et descendante, pour être plus juste. Le législateur est intervenu par la suite pour consacrer pour l'essentiel ce dispositif par la loi du 3 juin 2016 relative à la criminalité organisée. Il a, dans un article 706-56-1-1, je crois, du code de procédure pénale, consacré la possibilité de cette recherche en parentèle. En retenant grosso modo les mêmes limites que celles qui avaient été adoptées dans le protocole, sauf que je crois que le législateur a permis que cette recherche en parentèle soit également effectuée au cours des enquêtes et pas seulement au cours des instructions. Alors, il est assez intéressant de relever que la chambre criminelle a été appelée à examiner la conformité de la recherche en parentèle, non pas
au regard des textes issus de la loi 2016, mais au regard du droit antérieur. C'est-à-dire qu'en 2017, elle a été saisie de la régularité d'une recherche en parentèle qui avait été faite avant l'entrée en vigueur de la loi de 2016, et là, elle l'a validée. Elle a admis que cette recherche puisse être effectuée. Elle l'a même validée dans des conditions plus larges que celles qui ont été prévues par la loi de 2016, puisque dans la formulation de la chambre criminelle, il apparaît que cette recherche en parentèle était possible non seulement en matière criminelle, mais également en matière correctionnelle. Et par ailleurs, la chambre criminelle, dans une formule que je vais vous lire, a admis qu'elle pouvait non pas s'effectuer seulement en ligne directe, mais également en ligne collatérale. La chambre criminelle a posé en principe que le juge d'instruction pouvait, y compris donc en matière délictuelle, ordonner une expertise aux fins de rechercher les personnes susceptibles d'être apparentées en ligne directe, la liste proposée pouvant exceptionnellement comporter des collatéraux de l'auteur recherché, du fait que leur profil génétique aurait des caractéristiques analogues à celles d'ascendant ou de descendant. Donc on voit que dès avant en fait, l'intervention de la loi de 2016, ces recherches en parentèle étaient valides, et même dans des conditions peut-être un peu plus larges que celles qui ont été prévues par la loi de 2016. Peut-être cet arrêt de la chambre criminelle qui a inspiré le législateur, mais au cours des débats relatifs à la loi de modernisation de la justice, la commission des lois a proposé de supprimer la limite tenant à ce que la recherche devait se faire en ligne directe. Donc le législateur, le Parlement a envisagé que la recherche puisse se faire sans être limitée aux parents en ligne directe. Elle a souhaité consacrer la possibilité de faire également une recherche en ligne collatérale. Alors, cet amendement, la commission des lois s'est heurtée à un avis plutôt négatif, très réservé de la CNIL. Et au cours des débats en séance publique, en définitive, il a été écarté. Le député qui a déposé un amendement de suppression ayant fait valoir que cet amendement revenait, enfin que l'extension de l'analyse de la recherche en parentèle revenait pratiquement à ficher indirectement 15 millions de personnes. Enfin, c'est évidemment un propos un peu qui était destiné à frapper les esprits, mais je pense qu'on voit bien ce qu'il souhaitait dire. L'autre question relative au contenu du FNAEG, c'est celle relative à la nature des segments de l'ADN à partir desquels peut être déterminée une empreinte génétique. Alors, de manière très claire, le Code de procédure pénale pose le principe que seules peuvent être conservées au FNAEG que les empreintes génétiques établies à partir des segments non codants de l'ADN, sous réserve seulement d'utiliser le marqueur du sexe. En d'autres termes, il est possible d'utiliser des segments à partir desquels il n'est pas possible de déterminer les caractéristiques génétiques de la personne. Ce sont des segments qui sont propres à chaque individu, donc dans cette mesure-là, comme les empreintes digitales, ils peuvent servir à identifier un individu, mais ce ne sont pas des segments qui permettent de déterminer ces caractéristiques génétiques, de mettre au jour des prédispositions pathologiques, des anomalies génétiques, etc. Mais cette distinction entre ADN codant et segments non codants a été discutée, remise en cause par des scientifiques qui considèrent qu'elle est de plus en plus artificielle, qu'en réalité, même les segments non codants de l'ADN ont un rôle fonctionnel, qu'ils permettent d'obtenir certaines informations. Un certain nombre de scientifiques, de biologistes préconisent d'abandonner cette distinction. Et cette orientation scientifique a séduit le législateur. Et là, je reviens de nouveau à cette loi de programmation au cours de laquelle on voit bien donc que cette matière est en perpétuel mouvement. Il a été proposé de supprimer tout simplement la distinction entre segments codants et non codants de manière à permettre que les empreintes génétiques puissent être établies également à partir des segments codants
de l'ADN, mais le scénario est un peu le même que celui que j'évoquais il y a quelques instants à propos de la recherche en parentèle. Avis négatif de la CNIL, et après que l'amendement a été adopté en commission des lois, il a été écarté en séance publique parce que manifestement il supposait davantage de réflexion et de concertation compte tenu du caractère extrêmement sensible de la question, parce que malgré tout, même si les deux segments de l'ADN peuvent être rapprochés, il reste que de manière évidente les segments codants permettent de mettre au jour des informations extrêmement sensibles sur la personne et qui était peut-être un peu rapide de permettre qu'il soit utilisé aux fins d'identification dans le cadre des procédures pénales. Dernière question que je souhaitais évoquer, c'est celle du, alors pour faire bref, du portrait robot génétique, en fait, du profilage aux fins d'orientation, pourrait-on dire. Alors, les termes du débat, là aussi, le point de départ, c'est le progrès scientifique, le progrès de la science qui a permis d'envisager qu'à partir de l'analyse d'une trace biologique, à partir de l'analyse de l'ADN contenu dans une trace biologique, on puisse extraire un certain nombre d'éléments permettant de connaître les traits morphologiques de la personne, les traits apparents de la personne, par exemple la couleur de ses yeux, la couleur de ses cheveux, la couleur de sa peau, et on envisage, dans un délai plus ou moins long, de cerner peut-être la forme de son menton, la forme de ses oreilles, et dans un délai encore plus long, on peut imaginer une image tridimensionnelle du visage de la personne ou de son corps. Voilà. Enfin, là, ce sont les perspectives à très long terme. Enfin, dans l'immédiat, c'est plus modestement la couleur de ses yeux, de ses cheveux, de sa peau. Alors, la tentation, c'est évidemment d'utiliser ces éléments pour orienter l'enquête. C'est-à-dire que lorsqu'on a tenté d'identifier la personne par un rapprochement d'empreintes génétiques et qu'on n'y est pas parvenu, eh bien, on peut se rabattre sur cette solution qui consiste au moins à essayer de mettre au jour quelques-uns des traits de la personne, au moins pour éliminer certains suspects, enfin, pour discriminer dans un ensemble possible de suspects, ceux qui doivent être retenus et ceux qui ne doivent pas l'être. On a parlé de portrait robot génétique à propos de cette manière de procéder. Bon, le terme est un peu discutable. Certains lui préfèrent l'expression de photographie génétique, parce que la photographie est imprécise, mais elle repose sur peu d'éléments, mais elle est très fidèle. Alors, c'est un portrait robot, je dirais, qui, comparé au portrait robot classique, a quelques avantages. Son principal avantage, c'est qu'il ne suppose pas la présence de témoins. Bon, on peut établir un portrait robot génétique sans témoin, ce qui est assez commode. Son autre avantage, c'est qu'il n'est pas affecté par le biais subjectif qui affecte les portraits robots peu classiques. C'est-à-dire que le portrait robot classique, il repose sur des témoignages qui sont eux-mêmes discutables. Là, c'est absolument indiscutable. Le troisième avantage, c'est que les traits qui sont révélés sont théoriquement les véritables traits de la personne. On ne peut pas tricher. C'est-à-dire que même si la personne s'est mis une perruque sur la tête ou des lentilles de couleur, eh bien, l'analyse génétique révélera la véritable couleur de ses yeux et la véritable couleur de ses cheveux. Mais cet avantage, c'est aussi son inconvénient, c'est-à-dire que la personne pourra se dissimuler prenant des lentilles colorées ou en mettant une perruque pour ne pas être conforme à son portrait robot génétique. Donc on peut tout renverser dans cette affaire. Et puis il faut également tenir compte d'éléments qui étaient évoqués il y a quelques instants lors de la précédente intervention, c'est-à-dire que les traits génétiques, ne sont pas forcément l'apparence de la personne n'est pas forcément le reflet exact de ce qu'indiquent les éléments qui sont recueillis lors de l'analyse génétique, parce qu'il y a des facteurs endogènes et exogènes qui peuvent affecter son apparence, son âge, son mode d'alimentation, son environnement. Donc il faut relativiser, si vous voulez, l'importance du portrait robot génétique, mais
L'objet de mon intervention n'est pas de discuter son utilité. Son utilité est certaine, comme tout moyen d'investigation supplémentaire qui est offert aux services d'enquête et aux magistrats. La question qui se pose est celle de la possibilité même de recourir à ce portrait robot génétique. Et donc, c'est la question de la légalité de ce moyen d'investigation que je souhaiterais poser. Alors, pourquoi la question se pose-t-elle ? Parce que les articles 16.10 et 16.11 du Code civil, dont il vous a été dit quelques mots lors de l'intervention précédente, distinguent entre, d'une part, l'examen des caractéristiques génétiques de la personne et l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques. L'identification par ces empreintes génétiques, qui est régie par l'article 16.11 du Code civil, consiste seulement à rapprocher deux profils génétiques, comme je vous l'indiquais, à partir des segments non codants de l'ADN, tandis que l'examen des caractéristiques génétiques permet d'analyser les informations contenues dans les gènes, et il n'est possible qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique et avec le consentement de la personne. Est-ce que le fait d'analyser les caractéristiques génétiques d'une personne aux fins de déterminer ses traits apparents sans son consentement entre dans les prévisions de l'article 16.10 et 16.11 du Code civil. Si l'on considère que ces articles régissent de manière exhaustive et limitative l'ensemble des possibilités d'utiliser l'ADN, il est certain que cette utilisation de l'ADN est illégale. Si au contraire on pense qu'il y a place pour une utilisation de cette nature, eh bien, le dispositif doit être légalisé. La chambre criminelle a été saisie de la question dans une affaire de viol en série à Lyon, affaire dans laquelle les rapprochements effectués avec le FNAEG n'avaient rien donné. Le juge d'instruction, en définitive, a ordonné une expertise tendant à ce qu'il soit procédé à une analyse de l'ADN pour fournir tous les éléments utiles relatifs au caractère morphologique apparent du suspect. Un rapport a été déposé par l'expert selon lequel, bon, cela vous donne une idée de ce qu'est un portrait robot génétique, l'intéressé était de sexe masculin, ce dont on pouvait évidemment se douter, qu'il avait les yeux marrons, tendance foncée, un teint clair, tendance mat, des cheveux châtains ou brun noir, tendance foncée. Donc on voit que c'est quand même quelque chose de relativement flou. Le juge d'instruction, s'interrogeant sur la validité de l'expertise qu'il avait lui-même ordonnée, et s'interrogeant à juste titre, puisque le ministère de la Justice avait recommandé dans une dépêche de ne pas recourir à cette expertise parce qu'il doutait, au regard des dispositions de l'article 16.10 et 16.11 du Code civil, de sa légalité, le juge d'instruction, pour sécuriser sa procédure, a lui-même saisi la chambre de l'instruction afin qu'elle se prononce sur la validité de cette expertise, et la chambre d'instruction l'a validée. Un pourvoi a été formé par le procureur général après la cour d'appel de Lyon, dont la chambre criminelle a été saisie, et la chambre criminelle, contre l'avis de son avocat général, en l'occurrence il s'agissait de moi, a considéré qu'il convenait de valider cette expertise aux fins d'établir un portrait robot génétique. Et on voit, en consultant le rapport de la Cour de cassation pour 2014, c'est un arrêt du 25 juin 2014, je ne sais pas si je vous indiquais la date, on voit dans le rapport de la Cour de cassation pour 2014 quelles sont les raisons qui ont incité la chambre criminelle, qui ont déterminé la chambre criminelle. On peut lire dans le rapport pour 2014 que cette mesure ne rentrait dans le champ d'application ni de l'article 16.11, ni de l'article 16.10 du Code civil, dès lors, c'est l'analyse donc de la chambre criminelle, qu'elle n'était destinée qu'à fournir des renseignements sur les caractères morphologiques apparents de la personne recherchée et qu'elle avait pour seule fin de permettre son identification.
Donc, dès lors qu'il n'avait pas pour fin la recherche médicale, dès lors qu'il ne s'agissait pas, au fond, de mettre au jour des prédispositions pathologiques, des éléments, je dirais, cachés en quelque sorte de la personne, mais simplement ses traits apparents qui auraient pu être, qui étaient visibles par tous, cette expertise devait être validée. Alors, quelles sont les suites, en deux mots, j'en ai terminé, de l'arrêt de la chambre criminelle ? On en est toujours là aujourd'hui, donc la base légale, en quelque sorte, du portrait robot génétique, c'est cet arrêt de la chambre criminelle, mais je crois que tout le monde s'accorde pour dire qu'il serait souhaitable qu'une intervention législative vienne permettre d'encadrer les conditions dans lesquelles une telle analyse peut être effectuée. C'est l'avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, avis qu'elle a rendu le 17 mars 2016, et c'est également l'avis d'un très grand nombre d'auteurs qui ont commenté cet arrêt de la chambre criminelle. Quels sont les points qui seraient à encadrer ? Il faut tout d'abord déterminer quelles sont les infractions auxquelles une telle mesure peut-être appliqué dans le souci d'assurer une certaine proportionnalité. Peut-on utiliser le portrait robot génétique pour identifier l'auteur d'un vol ou doit-on réserver cette expertise aux infractions les plus graves, aux crimes, viols, meurtres, etc. Deuxième question, quelles sont les caractéristiques génétiques qui peuvent être mises au jour ? Parce qu'il y a des caractéristiques génétiques apparentes qui révèlent tout de même des anomalies. L'albinisme, la trisomie sont révélées par des caractéristiques génétiques apparentes. Il importe que le législateur arbitre sur ces points sensibles. De même, on peut envisager que ce type d'analyse met au jour l'origine ethnique de la personne, ce qui pose aussi de graves questions, puisque ce type d'analyse peut aboutir à stigmatiser une partie de la population. Et enfin, il convient de préciser quelle serait la durée de conservation des prélèvements et des analyses effectuées à cet effet. Ce qu'on constate en droit comparé, c'est que cette analyse n'est pas admise dans la plupart des pays européens. Je crois que le seul État qui la reconnaisse vraiment et qui la réglemente, ce sont les Pays-Bas, qui ont une de législation à cet effet. Un projet était à l'étude en Allemagne, à la fois au niveau fédéral et dans le Land de Bade-Württemberg, mais je ne sais pas où en est ce projet, je ne pense pas qu'il ait abouti, et je crois qu'en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, ce mode d'analyse est peut-être mis en œuvre pour résoudre ce qu'on appelle les cold cases, cas criminel qui demeure sans solution, et c'est une analyse à laquelle il semble être recouru à titre subsidiaire. Je vous invite d'ailleurs sur cette question à vous reporter à un travail sous la direction d'Elsa Supio, le procès pénal à l'épreuve de la génétique, que vous trouverez aisément sur Internet, qui a le soutien de la mission droit et justice, et que vous trouverez sans difficulté sur le site de la mission, et vous trouverez notamment dans cette étude extrêmement passionnante des éléments de droit comparé. Ma conclusion sera en fait mon introduction. Donc on voit bien la matière est en constante évolution, parce qu'en fait elle est sous la pression permanente des évolutions scientifiques, et que le législateur et le juge sont en permanence amenés à adapter les cadres dans lesquels les mesures concernées peuvent être mises en œuvre, avec le souci à la fois de ne pas brider le travail des enquêteurs, surtout dans des affaires qui sont parfois très lourdes, mais en même temps, évidemment, c'est toujours pareil, de ne pas porter à la vie privée une atteinte excessive. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, bonsoir. J'aurais une question par rapport aux informations secondaires dont vous avez parlé tout à l'heure. En fait, en matière donc, de tests génétiques pré-implantatoires, je ne connais pas le terme exact. En termes de droits comparés, est-ce qu'il y a des pays européens dans lesquels justement ces tests génétiques sont possibles ? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a un risque que les Français aillent dans ces pays-là pour contourner l'interdiction française ? Et s'il y a ce genre de contournement, est-ce qu'à votre sens, une intervention du législateur est nécessaire pour modifier l'état du droit positif ? Alors, merci pour la question. Je suis pas sûre d'avoir très bien compris de quoi vous parliez exactement, parce que vous avez à la fois évoqué le diagnostic préimplantatoire et les informations secondaires. Et ce sont deux choses un petit peu différentes. Mais en tout cas, si la question est des tests qui ne sont pas encore pratiqués aujourd'hui sur le territoire français ou des informations dont il n'est pas aujourd'hui souhaité qu'elles soient recherchées dans la pratique médicale française, se pratique à l'extérieur, la réponse est oui. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de la Belgique, j'ai donné aussi l'exemple des Pays-Bas, qui effectivement se révèlent, que ce soit en matière de santé ou en matière pénale, assez permissifs en la matière. Donc je donnais tout à l'heure l'exemple, mais il est très symptomatique, hein, de ce qu'on appelle le DPNI, le dépistage prénatal non invasif, qui consiste à 12 semaines de grossesse à faire une analyse génétique par une simple prise de sang de la mère, parce qu'on sait que dans le sang de la mère circule de l'ADN fœtal, je vais un petit peu rapidement, de faire le séquençage du génome du fœtus pour voir s'il est atteint d'une trisomie 21, 18 ou 13, eh bien, ces pays-là ont profité de ce type de test pour élargir extraordinairement la quantité d'anomalies à dépister, de sorte qu'on peut dire, je crois aujourd'hui, que dans ces pays-là, on dépiste, on entend dépister de plus en plus tôt une quantité de plus en plus grande d'anomalies, y compris de moins en moins graves. Voilà. Donc, combien de temps la France pourra-t-elle résister ? J'en sais rien. Et que peut-elle faire pour faire en sorte que les gens n'aillent pas à l'étranger faire ces tests ? J'aurais tendance à dire rien. Une autre question ? Oui, bonsoir. Pardon, excusez-moi, si on parle du DPI, il n'est pas interdit en France, on est bien d'accord. Hein, voilà. Il est autorisé dans un certain nombre de cas de figure, notamment quand il y a des signes d'appel, des anomalies chez les parents, chez les ascendants, etc. Il n'est pas interdit. Oui, bonsoir. En bref, voilà, monsieur Dufoumabouyo, juriste. En fait, c'est par rapport à ce que monsieur le procureur général disait. Au primo, si je comprends bien, déjà, donc, d'après les arrêts que vous avez cités, l'un d'eux qui apparaît important, donc on ne peut pas forcer une mise en cause. Bon, donc à ces prélèvements ADN, c'est-à-dire la jurisprudence plus haut, chambre criminelle ou cour européenne, etc. Bon, donc s'ils sont opposés, d'accord ? Voilà. Autrement, deuxième, bon, question F1. Donc vous avez parlé de la possibilité de confondre les ADN. Bon, avec comment on l'appelle, la disculpation, c'est-à-dire la possibilité d'être mise hors de cause, non lieu, acquittement, relax. D'accord, ça apparaît possible. Rappelons, comme vous le dites, c'est important de dire que voilà, donc que l'ADN n'est pas est le même ou n'est pas le même ne signifie pas qu'on n'est pas coupable, puisque nous qui sommes juristes et qui sommes dans le boulot, on sait que il y a plusieurs autres éléments qui sont en jeu. Mais dans l'actualité, on remarque que, bon, depuis en tout cas un demi-siècle environ, bon, il n'y a qu'une quinzaine de personnes qui ont été définitivement acquittées. Bon, les plus médiatisés, bon, on va citer Patrick Dils, Marc Machin, etc. Mais bon, on a le souvenir d'aucun, d'une manière générale, ou en tout cas de très peu, bon, qui ont été acquittés après une décision
diminution du coût de révision malgré une réforme très intéressante vers 2014 qui semble être mal appliquée. Bon, pour dire que c'est à cause de l'ADN qu'ils ont été mis hors de cause. Voilà, merci. S'agissant du dernier point que vous évoquez, je suis passé très rapidement sur la question dans mon introduction. Je voulais simplement mettre en évidence que l'ADN, c'était un moyen de preuve d'identifier les auteurs d'infractions. C'était aussi un moyen important de disculper certaines personnes. Et ce rôle de l'ADN est particulièrement évident, en effet, dans les procédures de révision. Plusieurs affaires ont été portées, je le redis, devant la cour de révision et ont donné lieu à une annulation des condamnations et donc à une révision à la suite d'éléments d'information apportés par des analyses génétiques qui mettaient en réalité hors de cause les personnes qui avaient été condamnées et qui plus précisément mettaient en cause directement d'autres personnes. Donc il y a des arrêts de révision. D'ailleurs, je pense que j'ai dû noter si ces références vous intéressent. Vous trouverez deux arrêts de la Cour de révision, hein, l'un du 13 avril 2010, dans une affaire où la personne avait été condamnée à 18 ans de réclusion criminelle, et un autre du 15 mai 2013, dans une affaire où la condamnation était de 20 ans. Dans les deux cas, il s'agissait de meurtre et de complicité de meurtre, et dans les deux cas, la révision a été largement acquise à la suite de la preuve génétique. Merci beaucoup. Une autre question ? Bonsoir. Ma question s'adresse au professeur de droit Florence Bellivier. Vous avez, madame, au début de votre intervention, pris le soin de citer Freud, mais je dois vous avouer ne pas avoir compris pleinement le sens et la portée de cette citation. Est-ce que vous pourriez nous relire cette citation et nous expliquer le sens, s'il vous plaît ? Avec plaisir. En fait, c'est parce que j'ai vu l'exposition sur Freud dimanche dernier. C'était le dernier jour. Et j'étais frappée par... donc, je n'ai pas cité, j'ai paraphrasé à dessein. Hein. J'étais frappée par... en fait, l'exposition montre à quel point Freud, au début de sa carrière, si on peut dire, était influencé par Darwin et l'introducteur de la pensée de Darwin en Allemagne, Hegel. Donc. Et c'est intéressant de voir à quel point sa pensée était très scientifique au départ. C'est-à-dire, il avait vraiment une vision... du moi, du surmoi, etc., qui était une vision qu'on peut qualifier de scientiste. Et donc lui-même s'interroge, après, quand il élabore sa théorie psychanalytique, lui-même s'interroge, et là, la formule est de lui, c'est dans Introduction à la psychanalyse, il dit « Est-ce que la psychanalyse va déloger, en fait, le sujet de lui-même ?» Voilà. Et donc, étant donné qu'il avait été très lui-même influencé par la théorie de l'évolution et donc par la question de la place de l'homme en réalité dans la chaîne et donc la manière dont le sujet se constitue, on trouvait intéressant de se poser la question de savoir si la génétique, les développements de la génétique et ce qu'on notamment on a mis en lumière, cette routinisation, déloge l'individu de lui-même ou au contraire lui donne une plus grande maîtrise sur lui-même. C'était la question liberté-maîtrise, si vous voulez. Mais je ne suis pas sûre du tout que Freud aurait été d'accord avec ce que j'ai raconté. Hein. C'est une autre question. C'est ça, l'avantage de Freud, c'est qu'on peut lui faire dire un peu ce qu'on veut. En tout cas, merci. Une autre question ? Merci beaucoup pour ces conférences qui étaient passionnantes. Je me faisais une observation, je me pose une question en vous écoutant notamment et en lisant les différents rapports qui ont précédé et qui précèdent là, la révision des lois bioéthiques. Jusque-là, il y a trois principes qui ont été utilisés par le législateur pour construire le cadre bioéthique, notamment génétique, le principe de dignité, le principe de liberté, le principe de solidarité. Et
notamment le principe de dignité peut rentrer parfois en contradiction avec le principe de liberté, et le Conseil d'État nous dit très clairement, c'est le principe de dignité qui l'emporte, il est placé en haut des principes, et ça s'explique, et ça se traduit notamment en matière de génétique. Comme tu l'as dit, Florence, l'interdit fondateur, c'est de ne pas toucher à l'intégrité de l'espèce humaine, posée à l'article 16.4. Et donc, au nom de la dignité, on va la limiter, la liberté de l'individu qui ne peut pas recourir à une thérapie génique germinale, même s'il le souhaite. Au nom de la dignité, on va interdire également la création des embryons transgéniques ou chimériques. Mais je me demande, moi, en lisant, mais c'est juste un questionnement, je me demande, en lisant l'avis du CCNE, le rapport d'information de l'Assemblée nationale, si on ne s'oriente pas vers une inversion des principes, et si le principe aujourd'hui de liberté ne l'emporterait pas sur le principe de dignité. Et alors, l'exemple, c'est que le CCNE, par exemple, et suivi en cela par l'Assemblée nationale dans le rapport d'information, propose la création d'autoriser la création d'embryons transgéniques et chimériques. Et de même, comme vous l'avez relevé, Madame Noiville, on commence à se poser aujourd'hui la question de savoir s'il ne faut pas autoriser la thérapie génique germinale, bon, sans donner une réponse positive. Mais devant le constat qui est fait que lorsqu'on pose des interdits en France, il suffit bien souvent à des Français d'aller voyager à l'étranger pour obtenir ce qui leur est interdit en France. Je me demande là si le législateur n'est pas en train de baisser les bras en disant bon ben si les personnes ont envie d'une pratique, est-ce que le plus important n'est pas de consacrer leur liberté, quitte à s'asseoir un peu sur le principe de dignité, tout en sachant que le principe de dignité est très difficile. Il fait l'objet d'une exception très difficile à circonscrire. Voilà, c'est une observation. Oui, ben merci pour cette question. C'est effectivement exactement ce que je souhaitais dire en citant le Conseil d'État tout à l'heure. Je pense qu'il est vraiment intéressant de constater que tout en restant dans la logique de la première loi de bioéthique de 1994, c'est-à-dire les choses peuvent se faire si la finalité est médicale et en faveur du patient, il montre bien qu'effectivement on a eu jusqu'ici, d'après lui, une conception trop immuable de la notion de patrimoine génétique, de la notion de dignité de la personne, que le patrimoine génétique c'est une réalité qui évolue de manière naturelle et que vraisemblablement, comme par ailleurs ça n'est pas un principe autonome, il convient de le mettre en balance avec la nécessité, enfin ce que ça peut apporter aux patients effectivement que de procéder à la thérapie génique germinale. Donc ça je pense que c'est vraiment un point effectivement très clair qui montre que le curseur n'est plus au même endroit et que peut-être à chaque nouvelle révision le curseur se déplace un petit peu, c'est une évidence. Et ce qui est une évidence aussi, me semble-t-il, c'est que en effet le Conseil d'État et la mission parlementaire à laquelle vous faisiez allusion sont très perméables à une évolution manifeste des mentalités dans ce domaine. Alors bien sûr, il y a toute cette grande idée que l'on lit partout d'une nécessité, d'une autonomie par la connaissance de ses gènes, d'une autonomie, connaître ses gènes, c'est se connaître soi-même, donc c'est important en termes d'identité, mais c'est aussi extrêmement important en termes de construction par chacun d'entre nous, d'une espèce de médecine d'autosurveillance. Voilà, donc il y a tout ça, mais il y a aussi, ce que je trouve vraiment intéressant, je ne sais pas du tout si vous ressentez les choses de la même manière, mais en ce qui me concerne, je, comme certains d'entre vous ici, je suis issue d'une génération qui a connu la guerre. Je n'ai pas moi-même connu la guerre, mais mes parents ont connu la guerre. Et il me semble que dans cette génération-là, il y avait une sorte de ligne jaune qui convenait de ne pas franchir, hein, et que les gens avaient de l'eugénisme, une conception. L'eugénisme, c'était l'eugénisme de contrainte. Ça renvoyait, voilà, il y avait cette espèce d'enracinement historique, les stérilisations forcées en Suède, la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et aujourd'hui, les choses changent
à l'évidence, les choses changent. Et quand je dis que je suis frappée d'entendre mes enfants, par exemple, considérer qu'en vérité, la ligne entre l'inacceptable et l'acceptable ne se situe plus du tout où on nous avait dit qu'elle devait se situer. Et qu'il y a une sorte d'eugénisme humaniste, si on peut l'appeler comme ça, et je comprendrais très bien que ça choque un certain nombre de gens, mais qui est en train de s'installer progressivement dans la société. Donc oui, pour dire les choses, je suis totalement en accord avec vous, mais complètement en même temps acquise à la cause de ceux qui continuent à dire que prenons notre temps, et mille fois notre temps, pour toutes les raisons du monde, ne serait-ce que en matière de santé. Je veux dire, on ne connaît rien à rien de ce que fait l'édition génique, la thérapie génétique germinale, etc., à un embryon. Voilà. Merci. Et j'ajouterais juste en une minute que le Conseil d'État étant très légaliste, comme on le sait, dans son fameux rapport, il dit bien que seule la dignité a une valeur constitutionnelle et qu'en revanche, le principe d'intégrité de l'espèce humaine n'a pas de valeur constitutionnelle, donc il est tranquille. Oui, bonjour, merci tout d'abord pour ces exposés passionnants. J'avais une question, j'espère qu'elle est pas trop pointue. Quand j'entends dire effectivement qu'il y a une évolution, en tout cas intellectuelle, vers finalement te dire pourquoi ne pas utiliser des manipulations génétiques, notamment grâce à CRISPR-Cas9, sur les cellules germinales pour le bien-être d'un patient et pour le sauver de maladies, ça résonne étrangement en ce moment, puisque certains d'entre vous le savent probablement, il y a eu pour la première fois finalement de l'histoire de l'humanité une expérimentation en Chine, et la naissance, semble-t-il, même s'il faut rester prudent et ça n'est pas avéré, en tout cas ça n'a pas été l'objet d'une publication scientifique, il y a eu ces bébés CRISPR, ces deux jumelles chinoises dont on a finalement bricolé le génome pour les protéger du virus du sida, puisque leurs parents étaient séropositifs. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Chose, enfin, on a commencé notre... Enfin, non, pas grand-chose. D'abord, comme vous le dites vous-même, c'est pas encore confirmé comme publication scientifique. Donc, on avait commencé à exposer ainsi, en disant, voilà, on a quelque chose d'assez spectaculaire. Tant que c'est pas confirmé, mais ça montre bien que ce que disait Christine Wabille tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est sans doute par la question de la finalité thérapeutique et du pré-implantatoire, donc de l'embryon, que la question de l'eugénisme se posera à nouveau frais, sur un mode doux, démocratique, consenti, d'autant plus que là c'est consenti par les parents, et donc lui l'embryon il a... Bon, pas grand-chose à dire dans l'affaire. Ça, disons, je ne sais pas si tu veux développer, Christine. On en a déjà parlé ensemble, Aline Richard, puisqu'on se connaît. Qu'est-ce que ça nous évoque ? Moi, ça m'évoque... une espèce de folie, en vérité. Bon, voilà, je crois que chacun sera d'accord sur ce point. Étant donné le niveau extrêmement limité de connaissances que nous avons quant aux implications concrètes de ce genre de manipulation sur l'embryon, et donc pour les petites filles en question, je crois que vraiment chacun sera d'accord pour dire que c'est véritablement de la folie. Et d'ailleurs, je ne connais pas un scientifique en France et même à l'étranger, qui ne se soit pas mis sur ce registre-là. Voilà. À partir de là, ce que voulait dire Florence, c'est que nous, il nous semble que même s'il y a toujours un fou qui, ici ou là, pourra s'engager dans cette voie, et donc l'expérience montre que c'est possible, c'est vraiment par un autre biais, et encore une fois, pour reprendre les termes de tout à l'heure, plus en sourdine, plus de manière beaucoup plus souterraine qu'aujourd'hui, la génétique envahit nos vies et qu'il convient d'y prêter oreille attentive.
Merci beaucoup. Eh bien, il me reste à remercier encore une fois les intervenants de ce soir pour la qualité de leur intervention et de vous donner rendez-vous donc le 28 mars prochain pour une conférence qui sera consacrée aux neurosciences. Je vous souhaite une bonne soirée.